Voilà, bonjour à tous, VOD lancé, mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve sur Summoners War, sur mon compte, nouvel événement, l'Arène World, événement special pour le lancement. On va cliquer dessus, on va aller voir ce que c'est, mais juste avant, je voulais vous montrer que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis la dernière mage, alors la mage du vendredi dernier, à savoir pour Bering, d'accord, on a des objets de métamorphose qui sont apparus ici, on se demandait à quoi ça servira. Alors beaucoup ont spéculé sur le fait que ce serait sur le RTA. RTA c'est quoi, l'arène en temps réel, voilà tout simplement. Et ils ont eu raison puisqu'il y a marqué disponible via événement. Et l'événement est sorti donc aujourd'hui. On a le courage du gladiateur, la colère du gladiateur, prestige du gladiateur et gladiateur légendaire. La plupart des gens pourront facilement obtenir le courage du gladiateur. Le reste ça c'est une autre histoire. En gros c'est juste une aura que vous pourrez mettre sur vos mobs. Rien de bien exceptionnel, hein, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. On va essayer d'en débloquer au moins une, je vais vous montrer comment ça fonctionne juste après. Ensuite, il faudra payer 5000 de mana pour l'équiper sur un mob. C'est juste du visuel, du cosmétique, encore une fois. La colère du gladiateur, vous pouvez voir, il y a des petits éclairs autour, il est tout mignon, il est tout sympa. Et on rentre dans du truc un peu stylé à partir du prestige du gladiateur. Mais là, faut pas rêver, il va falloir un niveau assez haut pour pouvoir débloquer ça. Et là, bon, on n'en parle pas. En gros, si vous voulez, ça c'est une aura simple, une aura avec des éclairs. Là, c'est juste une aura avec des ailes. Et là, c'est tout qui est combiné. Aura, éclair, aile, mes couilles au bord de l'eau, le radeau, on aime tout ça. Voilà, donc c'est ce qui était apparu. Et maintenant, on sait comment on va pouvoir le débloquer. On va aller voir dans l'onglet tout de suite. Événements, messieurs, dames. On adore les événements. Voilà l'Arène World. Ça va durer, comme vous pouvez voir, en haut, 32 jours et 22 heures, donc 33 jours, un mois, plus d'un mois. Messieurs, dames, donc voilà, j'ai testé un petit peu le... Ah bah tiens, ah bah voilà, oh, j'ai pas vu, gagner 5, waouh. Bah en fait j'ai fait 6 fois du RTA, j'ai fait 5 wins, une lose, et du coup, bah ça j'avais pas vu. Donc je reçois le premier courage du gladiateur. Alors là vous dites, mais putain GG c'est tous les mêmes, etc. Oui, vous pouvez en avoir plusieurs, bon là j'en ai un, bah je vais pouvoir vous montrer de suite, hein. D'ailleurs c'est très bien pour cette VOD. Recevoir, alors je suppose qu'il faut que j'aille le chercher ici, voilà, hop. L'objet a été déséquipé, allez dans le bâtiment de métamorphose. Ouais. Donc il est là. Vous le voyez, donc cette petite aura. Maintenant je peux sélectionner un monstre sur lequel je veux appliquer cette aura. Bah tout hasard, tiens, prenons l'agmaron pour voir ce que ça va donner. Et donc est-ce que vous voyez une aura? C'est une aura jaune. Voilà. Alors est-ce qu'on voit la différence? Est-ce que c'est une énorme différence? Attendez, excusez-moi. J'aimerais voir la différence entre un mob et un mob. Hop, voilà, là, donc ça fait ça, ok, donc on va aller voir à quoi ressemble, j'avais pris l'agmaron comme ça, mais hop, l'agmaron qui est un petit peu plus loin, ici même, hop, voilà, l'agmaron n'a pas d'aura de base, donc c'est vrai qu'on avait une aura jaune, hé, c'est petit côté américain, petit côté stylé, c'est très sympathique. Par contre, et moi, c'est la question que je me posais. Après, c'est parce que là, je suis sur un skin. Donc aussi, le fait d'avoir un skin enlève des auras. Vous voyez que là, par exemple, mon Lushen, c'est pareil. On va faire un test après. Mais je pense que c'est je pense que c'est combinable justement au skin. On a pu le voir, hein, face à, avec le lag marron. Mais il y a des mobs qui, normalement, ont des auras de base, comme bah, Lushen. Lushen, s'il n'a pas de skin, quand il est 40, il a une petite aura. Une petite aura derrière. Donc, je ne sais pas si ça rendra bien sur tous les persos. Alors, qu'est-ce que j'entends par aura? C'est... putain, il faudrait des... Je sais pas, des persos. Voilà. Par exemple, Colleen, bah ça, si, elle a une aura de base. Hein. Colleen, quand elle est 40, bon, vous voyez quoi, ça fait une aura. C'est un principe de base qui est dans tous les jeux, j'ai l'impression, tous les MMO, en tout cas. Parce que, attention, ce n'est pas un MMO, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais dans les MMO, c'est pareil, plus vous montez en niveau, votre stuff, etc. Généralement, on récupère des auras, plus les rares, machin et tout ça. Donc pour Colleen, j'aimerais voir si ça va changer quelque chose ou pas du tout. Je pense que c'est plus s'il y a un skin que ça va être intéressant. Donc voyons voir, Colleen est où? Colleen est là, j'aimerais voir ce que ça va donner. Vous voyez, sur Colleen, honnêtement, ça se voit pas des masses. Hein. On en voit un petit peu. On voit un petit peu qu'elle a un peu plus d'aura que d'habitude. C'est pas vraiment dingue. Par exemple, sur Lushen, on avait pu le voir tout à l'heure, vous voyez, il est noir au niveau de la tête. Donc il a la tête qui chauffe, quoi. Donc il est heureux. Voilà ce que ça va donner. Alors après, avec ça, cette aura-là, on aura des petits éclairs autour. Je pense que ce sera bien plus sympa. Voilà. Donc sur qui on va l'appliquer? Tiens, on l'appliquerait pas sur un mob là? Est-ce que je l'appliquerai pas sur... bonjour à tous, je suis Véromas. Non, pas du tout. J'ai envie de l'appliquer. Quel mob que je kiffe? Théomars, j'utilise partout. Théomars a un peu d'aura. Mais ça se voit pas trop sur Théomars. Moi je veux un mec sur qui ça pète, tu vois, mon gars. Je veux que ce soit stylé. Ritesh peut-être? Absolument pas. On dirait qu'il a fumé un long ouinge, mon gars, il est pas bien. Peut-être Velajuel? Ouais, pas mal, pas mal, pas du tout. Donc voilà, en gros, on voit la diff sur Zeros en vrai. Merci les gars, vous êtes vraiment très gentils en tout cas. Non, mais en vrai, je vais peut-être le laisser sur le frérot là. Bon, ça se voit, ouais, ça se voit.
ça se voit un petit peu. Allez, tiens, on va appliquer. Et c'est 5000 de mana, les gars. Ok, it's okay, guys. Donc, on l'a mis dessus. Et en gros, je peux le déséquiper à tout moment pour le rééquiper sur quelqu'un d'autre et repayer, etc. Donc, une fois que vous avez une aura, bah voilà, vous l'avez. Donc, je peux en avoir plusieurs. Normalement, je crois qu'on peut en avoir 3 via l'event. Donc, vous avez pu le voir. Hop, je vais vous remontrer, forcément. Parce qu'on a un peu digressé là de suite. Voilà. Alors, bon, pour recevoir vos premières auras, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire au moins 10 combats en arène world. Donc, lancer un ladder, hein, rien de plus classique. Vous faites ça 10 fois, nombre de combats. Une fois que vous avez fait ça 10 fois, vous recevez le couronne du gladiateur. Donc, c'est ce que je viens de récupérer ici. Si vous faites 5 victoires, vous en recevez un autre. Et si vous faites 10 victoires, vous en recevez un autre. Donc, vous pouvez en stacker jusqu'à 3. Donc ça, c'est mignon, on est content. Ensuite, on va voir les deuxièmes auras, celle avec les petits éclairs, hein, donc vous pouvez les voir. Il va falloir monter à 1100, 1200 et 1300 d'élo pour pouvoir récupérer ces auras-là. Alors, il faut savoir qu'en RTA, vous prenez plus 10. Alors, j'en ai jamais vraiment beaucoup fait. En vrai, j'en ai plus fait avec des potes que jouer en ladder. Mais là, vu qu'il y a les ventes, on va en faire. En gros, je sais pas trop comment ça fonctionne. Après, si c'est un peu comme sur LoL, plus tu montes, moins tu... Enfin, voilà, les points sont un peu plus difficiles à obtenir, etc. Je suppose que oui, c'est pareil. Je sais pas. En défaite, j'ai eu une défaite. J'ai fait 5 wins, une défaite. Quand j'ai perdu, j'ai pris moins 10. Donc, en gros... Voilà, c'est un peu pénalisant, mais en même temps, c'est fait exprès. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez récupérer le prestige du gladiateur à partir de 1400. Vous pouvez en avoir un autre à 1500 et un à 1500. Dans top 30%, top 15%. C'est pour ça qu'il y a 1500 les deux. C'est un peu comme... voilà. Donc là, vous pouvez avoir le gladiateur légendaire. Il faut être dans... avoir 1500 d'élo et être dans le top 5%, donc autant dire que ça c'est pas du tout atteignable, enfin pas à mon niveau en tout cas, c'est improbable. Et derrière vous avez quand même des récompenses, donc vous pouvez voir, le compteur augmente sans prendre en compte le résultat du combat, c'est à dire que là au bout de 100 combats, là vous récupérez des cristaux. Alors sur cet event, sur la totalité, ce qui est bien en plus ici, c'est qu'on est sur un event qui ne vous coûte rien, c'est à dire... généralement sur les events on va vous demander de farmer un certain truc, de récupérer des trucs, machin, etc. Ce qui implique de perdre soit de l'énergie, soit de machin, soit voilà. Là, oui, je mange du chocolat, et alors là, vous ne perdez rien, puisque les points du RTA sont des points uniquement utilisables en RTA. Vous pouvez en faire 30 par jour, donc voilà, normalement, 30 par jour, si vous utilisez la totalité, en 4 jours, vous avez terminé le 20. Puisque là, c'est 100, là, c'est 30, voilà, vous m'avez compris, et ainsi de suite. Ici, c'est du mana. Alors c'est quand tu entres dans l'arène world, le compteur augmente quand tu entres dans les combats d'arène world, donc là, bon c'est pareil, hein, quand tu entres dedans. Donc en gros je dois être à 5 aussi, ouais c'est ça. Ici c'est gagne contre un invocateur de notre pays, donc en gros moi j'ai 4 sur 15, alors 4 sur 15 parce que je suis tombé contre un français à un moment sur mes victoires. Donc mes 5 wins, il y avait un français, donc forcément ça ne m'a compté que 4. C'est bien, vous pouvez récupérer 4 vélins mystiques, c'est toujours ça de prix. Et ici vous avez de l'énergie, alors là par contre c'est un petit peu différent puisque ça c'est... les matchs avec vos amis, et uniquement vos amis qui vont compter, vous allez pouvoir récupérer 120 d'énergie en tout, donc ça fait plaisir, voilà. Et ensuite vous pourrez récupérer donc vos petits items, ainsi de suite. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de faire un petit peu de RTA, récupérer encore tout ça, et voir jusqu'où on peut aller. Si on peut aller jusqu'à 1100 pour récupérer la colère du gladiateur, ça sera cool. 1400 ça me semble assez compliqué, pour moi hein, je pense, honnêtement je saurais pas jauger là à l'heure actuelle, mais ça me semble quand même un petit peu difficile, d'accord. Parce que si on regarde le classement, le premier il a 1500, 1513. Ça doit être un monstre. Forcément, c'est des Coréens, Chinois. Voilà, enfin, c'est... on est dans l'Asiat, hein, on est dans les machines de guerre, les monstres. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Donc, en vrai, ces mecs-là, ils ont bien fait de rusher, parce que ça, c'est des gars chauds. Ils ont rushé, maintenant, ils n'ont plus rien à faire. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont arrivés à 1500. Le mec est dans le... Ceux qui sont dans le top, ils ont déjà débloqué leur truc. Ils peuvent laisser la place à d'autres. Ça, c'est l'avantage de l'event, puisqu'on est sur un événement world. Donc, après... Les mecs peuvent faire chier et continuer à faire du RTA tous les jours pour garder leur place, etc. C'est sûr. Et ça va donner un peu plus de fil à retordre. Alors, nous, notre but, ça va être d'atteindre 1100. Vous voyez, je suis à 1044, donc on va aller voir. Tout de suite, et on va lancer le ladder. Dépasse 1100, GG, on en reparle. Ouais, je pense que ça va être très très dur. Et on en reparle de quoi? Même pas, il atteint les 1200. Ah non, non, je pense pas. Je pense que déjà, si j'atteins 1100, je serai très très heureux. Ah non, vous vous rendez pas compte à quel point c'est vraiment dur. Cela dit, je pense que c'est dur tout simplement parce que là, on arrive à un moment où tout le monde rush, d'accord? Tout le monde rush. Donc, un mec qui est extrêmement bon, qui est G3, machin, etc. Donc là, lui, il a l'air d'être chaud. Déjà, il me sort des mobs, je suis en sueur.
Donc je pense que je vais me faire arracher. Mais quand je dis arracher, c'est complètement arraché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça, ça. Il va ban Vedajuel. 100%, je vous le dis, les mecs ban Vedajuel. Donc voilà. Et là, il va mettre un petit Bernard, peut-être. Ah, il met une Juno. Donc là, je vais me faire mais littéralement arracher le cul. Donc ça va être assez drôle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Nous, on va ban ici, je pense. On va essayer de ban ici. Et en dernier, moi je mets Véromance en dernier parce que 100% c'est lui qui va être ban. Donc regardez, c'est 100%. À chaque fois que je sors Vedajuel, il est ban tout le temps. Alors là, ce serait ouf parce qu'en stream, le mec ne le ban pas. Non, voilà, c'est sûr et certain. Vedajuel, c'est trop fort. Le mec, il connaît pas ton niveau, il croit que t'es une machine. Bon, bah il le ban. Le truc, c'est que là, on va se faire ouvrir en deux. Donc retenez bien ça, c'est déjà perdu dès le début. Mais c'est cool. Ouais. Avec le délai. Oh non, c'est dur. C'est très très dur, les gars. On est parti. Bon, je pense que c'est plié. Alors, ce que je disais, ma théorie, c'est que monter en ladder maintenant, là, à l'instant T, ça me semble assez compliqué. On va perdre, comment elle s'appelle, Pra. Je pense qu'elle va se faire one shot par... Regardez bien. Voilà, c'était sûr, mais 100% sûr. Donc it's ok, guys. Du coup, le stun ne sert à rien, bien entendu. Ah nice, un peu de dégâts. Ah, pas mal. On va voir si on peut faire des dégâts ici. Ah bon, on l'a tué. Bah 1-1. Pas si mal, hein. C'est pas si mal ce qu'on vient de faire, en vrai. On est pas trop. Oh, il stun! Enfin, voyons! On va essayer stun Juno. Non, dommage. Alors, Juno va être très chiante. Oh là là là. Oh, toujours plus dans l'abus du jeu. C'est un perso qui ne proc pas beaucoup, MDR. Je vais me débarrasser de monsieur ici présent. Parce que ça, je peux pas supporter. Il fallait ban Taor, c'est son seul DPS. Non, Juno serait... Ah putain, mais il va me stun tout le monde, quoi. Genre... énorme fils. Ah, il proc. C'est beau, ça. En vrai, c'est pas si évident, hein. Pas si évident. Bon, le truc, c'est que c'est lui qui va se faire focus, forcément. Il va se faire stun. On va devoir compter un peu sur des procs. Et ça, c'est un peu relou, quoi. Ouais. Là, elle va faire skill 2. Stun peut-être encore. Et c'est un truc de malade en tout cas. Le nombre de stuns qui passe aujourd'hui. Mon Théomars qui ne peut pas jouer. En fait, je suis obligé de compter sur les procs de mon Théomars là actuellement. Bon, bref, pendant qu'on essaye de tenir un petit peu, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble un peu compliqué en fait, c'est que comme tout le monde va rusher, les niveaux sont complètement disparates à l'instant T. A savoir qu'il ne faut pas oublier. Le serveur est World. C'est-à-dire, si elle s'appelle l'arène World, c'est qu'il y a une raison en fait. Laissez l'arène World tout simplement parce que, messieurs, dames, attention, tenez-vous bien. On joue contre tous les serveurs, c'est de l'inter-serveur, messieurs, dames. Donc forcément, ce n'est pas évident. Ah, dommage. Là, vous voyez, si j'avais proc ici, ça aurait pu être intéressant. Là, ça aurait pu être très très intéressant. Ça aurait pu être très très intéressant, mais ça ne l'est pas. Donc, on se fait arracher. Elle a pas de skill. Elle a le skill 2. Ouais. Ah, oh, putain, mais ça me stun toujours les mêmes. Hein. C'est un truc de ouf, quoi. Attention à lui, il va prendre assez cher. Ouais. Oh, le stun. Stun qui fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Oh, damn, Daniel. Il va remettre son skill 3. Il proc pas. Si je peux le tuer maintenant, ce serait worse. Ok. Là, on peut parler. Là, on peut parler. Oui, j'avais un morceau de chocolat coincé dans ma dent. C'est dégueulasse. Ok. Ah, ça commence à parler. Ching Chong, ça, mon pote. Eh ouais, mon gars. Ah, je pensais qu'elle m'aurait arraché, quoi. Mais au final, c'était un duel. C'est un duel au sommet.
n'allons pas nous le cacher. Victoire, merci à tous. Bon bah on a réussi hein. Donc, qui dit niveau disparate dit qu'on va se faire chier dessus au début. Donc je pense qu'il faut attendre, avec le temps ça va peut-être se lisser. Et les écarts vont se creuser, je pense. Bon bah Wars, c'est passé les mecs. C'est passé. On y va. On va en retenter un. Eh, il nous suffit de faire encore 5 wins. Et ce serait nickel. Oula, Ronaldo visa. Oula, c'est Ronaldo qui a besoin d'un visa. On va pas trop le chercher les gars. Oh, je prends toujours Théo Mars parce que j'ai ma petite truc. Oh, bâtard. Alors si la Pra, je suis pas bien. Ah ben là ouais pas mal. Bien vu de sa part. Et je retente ici parce que Velajuel ne va pas durer je pense. Oh Psamaté. Alors pour moi le ban c'est soit Psamaté soit Rakan. Rakan me semble beaucoup plus fort. Donc je vais ban Rakan. Je vais ban Rakan. Ah il ban Théo Mars. C'est bien vu de sa part également. Sauf que j'ai Véromos. Véromos, ça tape un petit peu quand même. Après il a Psamaté. Il va falloir détruire Psamaté en fait. Il va être tellement rapide. Après il a pas de huge control. Donc on devrait s'en sortir. Rakan va 1v4, regardez bien. Non mais les gars, Rakan va rien du tout parce que je laisse pas Rakan en fait. Genre Rakan ça me fait vraiment trop peur. Bon forcément on va jouer large en dernier. Son skill leader on le connaît, hein, c'est Psamaté. Donc je pense que là ça va faire des tours et des tours. Par contre ce qui m'inquiète c'est quand même son... enfin parce que j'ai banni Rakan, c'est bien cool tout ça. Mais le truc... Oh putain il a l'air de laguer. Mega Wars hein, si, parce que là vous voyez il y a l'icône de déconnexion. Là-bas. Donc s'il a des problèmes de connexion, it's ok for me. Ok. Non je me dis, je me demandais si son Oussa allait taper fort en fait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ouais 12k. Donc on n'a pas d'immune pour l'instant. Il n'a pas utilisé son immune. Donc Archiwars. On va utiliser Body mes couilles là, Bodyguard. Ouais. Alors forcément on est bien ici. 8. Ah ça augmente les cooldowns son truc. C'est pas une bonne nouvelle ça par contre. Ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. Oh ça c'est une bonne nouvelle par contre. Ça c'est une excellente nouvelle. Chazune qui proc. Alors je vais pas utiliser mon skill 2 tout simplement parce que il va mettre l'immune après et qu'on n'est pas con. On va juste attendre. Il a pas de quoi enlever. Voilà tu vois. Body slam. Ok. Ouais. Alors, un petit stun peut-être? Non, pas de stun. Pas de break def mon pote. Ouais, ça va être un combat assez long, je le cache pas. Je me demande même si c'est pas Bernard qu'on va tuer les gars. Vous savez pourquoi? Parce que lui quand il va crever, il va me cut. Du coup, ça m'emmerde. Ah, il a fait exprès, bâtard. Ah, on va perdre un monsieur ici présent. Là, ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile de s'en sortir maintenant. Je pense que ça va être compliqué. Il a trop de speed. J'aurais dû focus Bernard, je pense, dès le début. Oh non! Oh, damn! Bah, il a gagné. Bien joué à lui. C'est un échec. C'est Psamaté qui a fait la diff. Ronaldo m'a vaincu. Donc, on a perdu. Allez, on relance.
Ouais, c'est sûr. Ouais, pas de DPS. En fait, le problème, c'est que c'est un peu all-in. Hein. Si le mec. Oh putain, un Brésilien. Si le mec commence à faire des trucs un peu bisextiles, je suis en sueur. Oh non, il a pris. Il a pris ça. Bon, le problème des speed teams, par contre, c'est que. Forcément, il suffit de ban un seul truc. Et moi, je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul à l'infini. Bon. On va lock ça déjà. C'est toujours une valeur sûre. D'accord. Donc on va prendre Pra. On a un Bernard. Les Bernards, ça fait chier quand même. On va prendre Pra. On va prendre Ritesh. On va voir ce qu'il va mettre après. Ouais, alors ça, c'est du papier. Après, il faut faire gaffe. Avec Théo Mars. Le problème, c'est qu'il risque de jouer très souvent hein, sur cette compo-là. Et Bella Déon. C'est un peu dur. Je ne cache pas que c'est un peu difficile. Ils ont quoi comme effet nocif? Ils ont du break def. On va essayer le classique. Parce que Vela Joel, je pense pas qu'il va s'en sortir ici. On va lui enlever Théo Mars. Son seul DPS ce sera l'autre coin là-bas. Mais ça me fait moins peur que Théo Mars. Théo Mars, c'est vrai que c'est très chiant quoi. Comet Syrah pour ban bait. Ah, j'avoue. Putain, j'avoue qu'avec les mobs que j'ai, je peux faire des ban bait. Le problème, c'est que si ban pas Syrah, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Mais oh. Voilà, c'était sûr. Je me disais, il me prend pas en compte mon truc. On va voir. Ouais, mais le problème, c'est que si je peux faire un ban bait, les gars. Le problème, c'est que les mecs, je peux me retrouver très très vite en sueur. T'es obligé d'avoir au moins 2 DPS. Ouais. 2 DPS. Ouais, je suis d'accord. Après, quand t'as des bruiseurs, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as des bruiseurs, tu peux t'en sortir. Insportément, bah il va. Ah, body slam, bien vu. Ah, bâtard. Le truc, c'est que ça va pas jouer avant, quoi. Bon, bah, forcément, c'est de la merde. Faudrait qu'il proc. Non, ça proc pas. Faudrait que lui proc, du coup. Voilà, nice. Comme si on a plus de break def. Ah, putain, je suis trop rapide pour lui. Oh là. Oh là. Sa connexion du bled. Au secours. Ça, c'est pas moi. Ok. Excellent travail. Alors, j'aurais préféré que ça stun. Oh putain. Oh putain. Alors là, ça va être, on va prendre le skill 3. On va se faire arracher. Ah, là, on est mort. Ah bah ouais, forcément. C'est un peu difficile. Après, en termes de heal, faudrait qu'on stun. Faudrait qu'on stun les blaireaux ici. Voilà. Oh, genre, tu proc. Ouais, il va heal, mais ça sert un peu à rien, honnêtement. C'est juste pour monter la jauge. Voilà. Bon, on fait chier parce que Ritesh s'est fait one shot quoi. One shot. Si ça fait nazi. Putain, y'a pas de stun. Tu vas me dire. Là, il va vouloir me tuer mon héros. Normal. Vous me direz. Oh, mais ça va. Bernard, c'est quand même un fléau aussi. Hein. Pas de dégâts continu. Pas de stun encore. Ah, quand ça veut pas, les gars. Ça veut pas, ça veut pas. Le Dark envoie des grosses claques. Les mecs, quelle RP la meilleure. Ripritash, ouais, non, mais c'était vraiment chiant, quoi. C'est vraiment chiant pour ça, quoi. De se faire. Les break def, en fait, tu te fais arracher. Comme Jaja. Oh putain. Quoi?
Ah ouais, d'accord, ouais, t'as vraiment fort, quoi. En gros, le problème, c'est que... Ouais, ouais. En fait, le problème, c'est que mon retouch, j'ai fait one shot. Parce que mon retouch est vachement intéressant pour ça, hein, en tant que bruiser, mais... contre Raki, c'est pas ouf du tout. Ah, donc là, on va lose encore une fois. Oh, quelle défaite de ma part. Alors, un petit heal, peut-être, tout de suite. Non, même pas. Tente de m'affaiblir. Ouais, ça Raki tape très fort. Donc, on va se faire arracher ici. On va avoir un heal, je pense. Le heal ici. Forcément. Putain, mais ça proc à tout, hein, en plus. Hein. La foire du proc. On lâche rien, les gars. Ah, Fanatic. Excellent travail, en tout cas. Hop. Un petit tour supplémentaire. Hop. Alors, voyons voir combien il a fait. Ah ouais, non, one shot. Bon, eh bien, ça ne fonctionne pas. Oh, merde. Bon, allez, on retente. Oh, on a perdu. On a fait une win de lose. Oh, putain. Mais encore un... Encore un mec qui n'a pas d'âme. On n'est pas bien. Bon, prenons Théobard. Après, si j'ai... En fait, si vous voulez, le problème, c'est que j'ai des mobs. J'ai des nukers. Le souci, c'est que dans mes compos, je vois pas trop comment les amener. Les amener là-dedans, quoi. On va prendre ça. On va prendre... allez, on va changer un petit peu. On va prendre monsieur ici présent. Bon, là, de marron, il est ok, en vrai. Bon, il a pris Bernard. Moi, s'il y a que Bernard, on va ban ça. Hein. Ça, je vous le dis, c'est un non négatif. Ça, on n'en veut pas. Ah, par contre, j'aurais dû prendre Chazune. On va prendre Chazune. En vrai, là, il a pas de vitesse. Il a pas de speed. Parce que là, imagine, il me banne. Il va ban soit Vélajuel, je pense. Vélajuel. Ah, après, il peut ban Chazune. Ah, ça peut être chiant, par contre. J'aurais pas de heal. Ouais. On va ban Bernard. Ouais, voilà, bon, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. On va donner un peu plus d'HP à l'équipe. Bon, ça va être compliqué, hein, je pense. Ah, ça, je pense que ça va être compliqué, mesdames et messieurs. C'est un Vietnamien, apparemment. Oui, désolé, je connais pas les pays de partout, d'accord. Ok. Je sais pas si c'est normal, mais le jeu dit que je suis américain sur le jeu, mais je suis en France. Ah. Hé, si le jeu dit que t'es américain, estime-toi heureux. Estime-toi très très heureux. Comment ça? Il y a combien de speed? Ah putain, non, je pensais pas qu'on allait se faire baiser comme ça. Bon bah c'est perdu. Vous allez voir pourquoi. Tout le monde va être gelé, stun, machin, voilà, voilà. C'est un cancer. Ah bah là c'est 100% loose. Hein. 100% loose. Oh putain. 100% loose. Putain de merde. Ah je pensais pas du tout que le Vera allait jouer en premier quoi. Honnêtement. Honnêtement non, je pensais qu'on s'en sortirait un petit peu mieux. Oh putain, il proc en plus. Oh mais si en plus il proc. Bon bah c'est perdu. Vous avez vu, alors ce qui est dommage avec le RTA, c'est ça, c'est que forcément tu sais tu sais vraiment si t'as gagné ou t'as perdu dès le début quoi. Mais voyons voir jusqu'où on va aller. Oh putain, elle tape fort hein. Hop, oui. Je suis full life. Un petit coup de lancing peut-être. Non, j'abandonnerai pas. Je pense qu'on a gagné. Ah, t'as fait des coups de lancing mon gars. Oh, qu'il est chiant. Le mec joue 6 millions de fois. Sa team est vraiment trop rapide en fait. Peut-être un stun. Et il a stun tout le monde. T'es un génie. Eh bien non, Easton, le seul que je m'en foutais un peu. Je vais pas vous le cacher. It's okay, guys. On va win. Non, arrête de le frapper. Oh putain, il a déjà le zéro absolu. Et c'est perdu. Ah là 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 là. Ouais, mais en fait, c'est une aura sur la WA, classe. Ah, c'est peut-être une aura, ouais, en effet. Bon, eh bien écoutez, perdu encore une fois. C'est dur, hein.
c'est dur. Mais en gros, je trouve pas actuellement, je trouve pas de combo sympathique qui va me permettre d'arriver à faire des trucs. Ah, le Canada tout de suite. Ah d'accord, il a Zeros. Alors, pense même pas que tu as joué. Après, j'ai Bernard, mais avec Bernard, ça suffit pas. Attends, on va tenter d'autres compositions pour voir ce que ça va donner. Oh, ça sort Mantula. Mantula, 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 Mantula. Hop. Mais la Juju. Alors, qu'est-ce qui va? Oh, le bâtard. Donc, en vrai. En vrai, il faut que je banne ça. C'est son truc qui est. C'est son speedster, MDR. Son truc qui va avoir de la speed. Nous, il va ban. S'il ban Bernard, on n'est pas bien. On va prendre Chazune en dernier. Je pense qu'il va ban monsieur ici présent. Nous on va ban ça. Ça c'est l'assurance qui joue en premier. Donc il ban Bernard. C'est prévoyant. Après il faut voir si avec un bonus de speed de 19%, il va jouer avant quoi. Le Canadien Koneji. C'est le Canadien le bon Zeros. Et le Zeros qui est sorti instantanément. Alors voyons voir. Ah ouais 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 il y a... Oh putain ils sont tous en speed. Oh putain mais ça stun quoi, c'est un truc de ouf. Bon bah c'est perdu. Une nouvelle défaite à ajouter dans mon carnet de défaites. Allez reproc encore une fois s'il te plaît. Non. Et là ça va geler. Tue-le. Eh bien non. C'était vraiment. C'est vraiment une bonne game. C'était vraiment une belle game. Théo, Ritesh, Pra, Chazune, Chloé, t'es bien. Mais j'ai pas Chloé. Enfin, si, j'ai Chloé, mais je l'ai pas là. Bon, en tout cas, c'est bien. Hein. Là, on est en train de faire du RTA pour monter jusqu'à 1100. On était à 1044. On est à 1014. Donc, le RTA nous permet vraiment de monter à l'heure actuelle. Alors, voyons voir. Non mais j'ai voulu voir avec mon Bernard, était pas assez rapide quoi. Enfin mon Bernard était pas assez rapide, n'importe quoi, mon Bernard a été banni. Donc forcément. En gros j'arrive pas à trouver un juste milieu sur mes compositions. Oui, prenons Théo Mars encore une fois. J'arrive pas à trouver un juste milieu sur mes compositions. Le bon jeu. Il t'a enculé, exactement. Mais je pensais pas qu'il jouerait aussi vite quand même. Parce qu'ils ont tout joué vraiment archi vite. Oula. Oulala, oulala, oulala. On va prendre Pra. Village. Le problème c'est que j'ai pas vraiment 10 000. Ah, je viens de monter une Konamiya. Est-ce que vous pensez que c'est worse? Je mets Konamiya. Le truc c'est qu'ici. Faudrait que je mette ça. Et un autre DPS. Je mets Ritesh. En vrai Ritesh c'est bien. Le problème c'est que. Je vais mettre Chou. Mais là voilà j'ai plus rien pour Clint. C'est le problème. Alors moi les gars je suis désolé. Mais alors ça j'en veux pas. Ah le panda full cancérigène. Non. Putain. Ah oui de travers. Ça c'est un non négatif. Donc il a banni le chou. Ok. Why not. Mon show en plus c'est vraiment pas ouf, donc le vrai dieu il est dans la TV. Oh là, calmez-vous les gars. Je suis là, je suis présent, même si je me fais arracher. Alors ça c'est le truc que je trouve le plus pourri sur Summoner's War. Non, c'est je trouve pas ça pourri, c'est intéressant. Mais putain il a... Ah non, c'est bon alors. Par contre, mais ces mobs... Ah non, ok. Non parce que là, je suis désolé les gars, mais je trouvais que ces mobs étaient ultra rapides. Mais je viens de capter que en fait... ça va peut-être. En fait, je viens juste de capter que skill leader va naître. En fait, ils ont tous des skill leader speed, quoi. Allez. Merci à tous. On va peut-être se calmer maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de stun ici même. Eh bien, non. C'est un non négatif. Par contre, c'est lui qui va m'emmerder. Oh, s'il te plaît! What? Par contre, Perna, ça va être le cancer. Oh non, 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 elle la tue pas. Hein. S'il te plaît. Hein. Je t'en prie. Hein. C'est bon.
On s'en sort, it's ok guys, on s'en sort. Par contre il a toujours pas utilisé son putain de skill, lui il nous emmerde. Oh et oh. Voilà. It's ok guys. Alors les coups glancing peut-être. Nice. Utilise ton... Voilà. Juste que ma pra... Non, ma pra joue pas maintenant mais bon. Défonce-moi ça. La pose bleue. Et ça stun personne encore une fois. On est dans un move. Quoi? Ok. Ok les gars. Oh, hey, on finit sur une victoire épatante. Le mec, je lui ai tué personne. Il a dit, les gars, ça m'a saoulé. Il va me le tuer. Après, je vais devoir le... Gros, il pouvait encore le ressusciter. Il pouvait... What the fuck man, what the fuck. 10 victoires, 7 défaites, 58% hein, mon ratio. Extraordinaire. Extraordinaire, vous voyez à quel point c'est vraiment dur. Là si vous regardez dans le classement, le dernier du classement il a 1202 frère. 1202, atteindre les 1100. On est comme ça. On est comme as, ah on est pas bien. On va voir si on a des trucs à récupérer forcément de l'event maintenant. Eh, le move qui lui a fait peur. Le move du Dio, les gars, il était là. Non. Il va peut-être me tuer un mob. C'est inadmissible. Allez, on le reçoit. On est à 7 victoires. 7 victoires. On essaye. On essaye de tout donner, quoi, les gars. Ok, bon, on est encore loin pour atteindre 1100. Mais on va essayer. On va essayer, les gars. On va tout donner. Alors, hop, on a récupéré notre petite récompense. Ah, on est très heureux. Sur qui on va la mettre, celle-là? Sélectionner un monstre. Un monstre qui vient. Un monstre qui a la classe quand même avec, c'est. Véromos, c'est pas mal. Hein. Véromos, je trouve ça stylé. Après, on a qui d'autre qui pourrait être extrêmement classe. Que j'utilise beaucoup. Il y a Chazune, j'ai pas essayé Chazune. Ouais, Chazune, c'est pas bon. Ouais, Chazune, j'aime pas. Vélajuel, que j'utilise beaucoup, mais bon, ça a pas l'air d'être. Ça a pas l'air d'être tip top, quoi. Peut-être chaud. Non. Non, je pense que je vais laisser sur Véromos. Je vais appliquer sur Véromos. Véromos, j'utilise assez souvent, donc voilà. Avant un Véromos qui est énervé, ça me fait plaisir. Bon, ben voilà, on a fait une longue VOD de RTA où je me suis fait rouler dessus. Mais, ouais, on était là pour le beau jeu. 2 victoires, 4 défaites, je crois. 4 ou 5 défaites, je sais plus. On aura essayé, mais c'est pas évident. Je pense que le RTA, honnêtement, à l'heure actuelle, bah, tout le monde rush un peu. Il y a un peu tous les niveaux. Vous pouvez le voir juste au vu du classement, puisque c'est un classement qui est mondial. Donc, les joueurs de tous les serveurs. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et je pense que c'est un truc qui est pas très permissif. A savoir, à mon avis, il faut vraiment avoir des mobs qui sont bien rodés déjà et avoir des backups parce qu'il y a un ban, etc. Donc voilà, je pense que le RTA, c'est un écosso assez prémisse. Ça, c'est depuis longtemps, hein. Il y a eu les bêtas, les alphas et tout ça. Mais c'est toujours le même système, quoi. La speed règne en maître, j'ai l'impression, encore une fois, c'est la speed. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette VOD, n'oubliez pas les pouces bleus, tout ça, commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du RTA dans les commentaires, justement. Si vous y jouez beaucoup, ou si vous jouez pas du tout, si vous trouvez ça nul, si vous trouvez qu'il y a des trucs à améliorer, etc. Moi, ça m'intéresse, parce qu'à terme, moi, j'aimerais organiser des petits tournois là-dessus. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.